Eh bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de Elite Dangerous, le grand voyage sur la chaîne 888. Bienvenue dans ce nouvel épisode en mode solo play. On repart tout de suite. Voilà, donc la dernière fois on avait fait quelques missions avec, bah voilà, avec notre petit Cobra MK3, voilà, qui commence tout doucement à s'équiper. Bon, on n'a pas encore fait grand chose, on a surtout optimisé au niveau des soutes. Voilà, et là on n'est pas loin de gagner notre premier million de crédits. Voilà, donc c'est pas mal, on s'en sort bien, on a accéléré le gain des crédits, on va dire, en basculant sur le Cobra MK3, évidemment ça va plus vite, avec 40 tonnes de cargo. Donc aujourd'hui on va voir quelle mission on peut prendre, et puis on y va, tout simplement. Voilà, puisque là pour l'instant, effectivement, j'ai pas de mission. Je n'ai pas de mission, donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Dans ce système pour faire des crédits. Alors du coup il y a quand même ici alors s'il y a une mission voilà, ici, 43 000. S'il y a des missions de livraison, regarder s'il y a des missions de livraison intéressantes, mais alors insulating membrane, on va regarder un peu. C'est ça, cette mission elle est vachement intéressante. 21 tonnes ramenées, l'industrie a besoin de 21 tonnes d'insulting membrane. Donc ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu dans la carte du système. Ça va nous permettre aussi d'apprendre un petit peu à se servir de la carte du système. Voir s'il y a moyen de trouver. D'accord, c'est pas ça que je vais faire. Alors... c'est là-dedans. Mais alors insulating membrane, c'est quoi? C'est des... Il faudrait que je me fasse une espèce de liste. Et qu'il y a pas... Enfin, et savoir dans quel... Ouais, ok. Bon, alors on va peut-être pas faire ça aujourd'hui. Je ferai ça la prochaine fois. Peut-être de prévoir de faire une liste. Savoir dans quelle catégorie ça appartient, ce truc là. Où est-ce qu'on peut trouver des insulating membranes? Alors ici, délivrer 33 000, c'est un peu loin. Ça.
C'est une mission de récupération, ça. Oh, ça, ça vaut le coup. Ouais, ouais, ça, ça vaut le coup. Donc on a dit ouf, du coup. À Obambimas. Ok, donc on va regarder s'il y a d'autres trucs à faire dans ce système-là. Ça, par exemple. Comme illégal, on va pas faire ça. Oh bah Mimas, mais c'est assassinat terroriste. Ah, Edith, non. On va se faire défoncer. On va faire que cette mission là, en même temps elle est rentable. Par contre j'ai 38 tonnes de je sais pas quoi, j'ai quoi comme dans mon cargo là. Ouais c'est ça. Ouais bah pour ce qui. Ouais, pour les 2 tonnes, hein, on va. On remplit la soute. La Bertrandite, ça peut se vendre. Je suis sûr que ça peut se vendre assez cher dans un système éloigné des raffineries. En vrai que pour l'instant, je suis pas vraiment dans le calcul des routes commerciales. En calculant mes routes commerciales, enfin calculant les trajets, machin, mais je pense que ça je le ferai à l'occasion d'être un peu plus vigilant là-dessus. Parce que c'est vrai que là pour l'instant je fais du commerce un petit peu bonheur la chance. Et je pense qu'il y a moyen d'optimiser ça en fait, c'est ça. Ok, du coup, c'est parti.
on va pouvoir fêter notre premier million de crédits, je pense, sur cet épisode. C'est cool. C'est là qu'il faut aller. Allez, on arrive. Klebsch Terminal. Pouvoir sortir du mode hyperdrive bientôt. Allez. On va rentrer, aller par là normalement. J'étais trop loin pour demander l'autorisation d'atterrir. Thank you.
il arrive comme un punk lui. C'est super, c'est magnifique. Le problème, c'est que j'ai pas vu. Alors, faut que je me méfie parce que. Ça, c'est genre de. C'est un coup à se cracher. Allez, là-bas. Allez, tout à l'entrée. J'aime pas quand c'est tout à l'entrée comme ça, c'est un peu dangereux. Vraiment pas c'est vraiment pas pratique la piste d'atterrissage comme ça. Faut être à l'aise avec l'atterrissage, hein. Ok, en tout cas j'aime bien le décor. Et ouais, touchdown, c'est ça. Klebsch Terminal. Il y a plein de ces. En ce moment on découvre plein de nouveaux systèmes. Hein, c'est. Se connecter. Voilà. Voilà. On va prendre ça. On gagne un peu de matériel. Ok. Alors, maintenant, est-ce que c'est... C'est dans cette station-là. Ouais. Allez, on vient de franchir officiellement notre premier million. Ça, c'est cool. Alors, du coup, on va aller voir un peu du côté du marché si notre. Nos tonnes de métaux valent le coup d'être vendues. Ouais, non, ça, c'est pas ici qu'il faut vendre ça. Ici, c'est une station de tourisme. D'accord, bon. Ce qui marche ici, c'est les. C'est les goods des salvage. D'accord.
va regarder un peu ce qu'il propose. Spécial ici de toute façon. Un spécial ici, ok. Alors bonjour, hard point. Pas grand chose ici hein. En même temps c'est touriste hein. Donc par contre alors ça je vais regarder. Pas grand chose. Ce qu'on va faire, on va essayer d'aller dans une. Bon, en même temps, ça peut être. On peut, j'ai envie de dire, on va presque peut-être le faire en prenant des missions. Tant qu'à faire. Waouh! C'est quoi cette distance là? 21 000. C'est quoi cette distance? C'est juste pas possible de faire des missions pareilles. Il faut quoi? Il faut 2 jours pour y arriver. Ici. Oh, par contre là... ils veulent du bio waste hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas prendre de mission. Alors on va essayer de trouver un
dans la galaxie. On va filtrer, on va essayer de trouver haute technologie. Là où il y a de la haute technologie. Chercher, alors attendez, comment je fais pour savoir et ça c'est les routes commerciales. Il faut que j'apprenne à me servir de ça. Ici ça va être démocratie, agriculture, extraction, agriculture, industrie. Industrie, agriculture. C'est quoi tous ces repères là? Je suis en train de chercher parce que je voudrais savoir où est où il y a de la haute technologie.
faire tourisme. Raffinerie, agriculture. Population maximum. J'ai bien envie d'aller sur Erabat en fait. Que j'y dis minerai, il n'y a pas de raffinerie. Ouais, on va aller sur les rabattes. D'autant que je crois que j'ai vu qu'il y avait des missions pour aller vers les rabattes. On va faire ça. Ouais, sur les rabattes. J'ai envie d'aller sur les rabattes. Donc on va voir si on trouve pas des missions pour les rabattes. Donc là, non. Faire, c'est qu'on va aller sur Erabat, on va voir. Alors du coup, alors, les rabats, c'est où là? Je vois pas. Ici. Ok, donc c'est parti. Peut-être regarder par où je passe parce que putain. Désolé, j'ai dit un gros mot. Parce que on pourrait peut-être regarder par où on doit passer. On doit passer par Zeta Aquilae. On peut regarder.
doit passer par Zeta Aquilae. Donc, par contre, là, s'il y a une mission à Zeta Aquilae, on peut prendre. Et je crois qu'il y en a. Il me semble. Je vais pas dire de bêtises. Mais il me semble qu'il y en a. Et V1688 là, c'est là. Non, c'est Zeta qui est parce que V1688, ah, c'est au-dessus. C'est à côté en fait, c'est le système d'à côté. Je comprends. Bon alors on va faire ça. C'est pas des missions. Ils veulent du bio-waste. Ça peut prendre. Cargo hold at maximum capacity. Ah bah ici, Zeta Aquilae, Boom Data Delivery, voilà. Voilà. Voilà, là on a ces missions, de toute façon là, on a ce qu'il faut. Allez, on s'arrache. On a plus de... Il n'y avait pas trop de trucs intéressants à faire, c'est toujours les mêmes missions, mais en même temps, avec des quantités de tonnes de marchandises à prendre, dont la taille de mon vaisseau ne permet pas de le faire. D'abord qu'on aille dans les états Aquilae et ensuite il est tout
tout à côté ce système. Et ensuite on ira vers Eravat. C'est que là la station est tout près, elle est pas très loin. Je pense qu'en fait quand on finira ces missions là on s'arrêtera là pour cet épisode. Numéro 14. On aura déjà fait pas mal. Et on ira sur Eravat lors de l'épisode numéro 15, je pense, du coup. On va faire nos missions là, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est un jeu, on peut... Ça s'arrête jamais, en fait. Donc on peut jouer tout le temps. Si je voulais, je pourrais faire des vidéos de 5 heures. Ça me dérangerait. Limite, ça me dérangerait pas, mais bon, voilà, après... Malheureusement, ça ferait des longues sessions. Des trop longues sessions. J'arrive pas à... Ah bah purée.
J'ai bien dû griffer mon vaisseau là sur ce coup-là. J'ai eu du mal. Hein. Ouais, on remplit notre mission. Mission ici. Ok, bon bah on s'en va, hein. On traîne pas. Voilà. Alors on va quand même regarder des fois que notre minerai aurait le coup d'être vendu. Oh oui. Raffinerie, donc raffinerie, c'est ce qui est pas cher, c'est le métal. Beryllium. On va peut-être plutôt regarder. Attendez, je vais regarder mes missions. Je dois aller où? Sur V1688. Ok. Du coup, on va regarder s'il n'y a pas des missions plutôt à prendre. Des missions de livraison à prendre sur, pour aller sur V1688. Ça peut valoir le coup. On a entendu. Ici, je prends la souris parce que ça va plus vite. V1688, non, il n'y en a pas. Lui, c'est du massacre. Là non plus. 1688, bah voilà. Donc ça, on accepte.
Il y a rien d'autre. Bon, ok. Bah... On s'en va. Allez. On s'en va. Et on va finir nos missions. Alors, du coup, 4 missions. Ok, c'est parti. C'est par là que ça se passe. Ah, c'est parti. Que j'aime là, c'est en ce moment on voyage pas mal, on découvre pas mal de petits nouveaux systèmes. Il faudrait que je regarde qu'on regarde un petit peu les statistiques de découverte un petit peu après. Proche. J'ai appuyé juste au moment, ça a changé de couleur. J'ai cru que je l'avais fait trop tôt, mais non, c'est bon. Première fois que je vois une station de cette forme là, toute simple la station, et toute petite station, toute petite.
Je crois que j'étais déjà venu ici. Ça me dit quelque chose. Je ne sais plus. Il n'y a plus rien à faire. On va aller dans une autre station, dans le même système. De toute façon, tout est dans le même système là. Je ralentis déjà parce que je sens que je vais arriver trop vite. Elle en arrive. Finalement, ce sont des petites missions pas si rentables que ça parce que, en fait, je pensais que tout était regroupé dans une même station, mais en fait, c'était dans 3 ou 4 stations différentes. Du coup, ça fait perdre pas mal de temps finalement. Évidemment, dans ce jeu, le temps c'est de l'argent, forcément. Là-dessus, on est exactement sur le même mécanisme que Eve Online, c'est pas différent. Piste 14.
Là, on voit bien, c'est bien loin. Là, c'est bien pour se poser, c'est parfait. Agriculture ici, d'accord. Alors, si est-ce qu'il y a encore une mission? Ok. Là, cette mission-là, par exemple, là, elle vaut le coup. 18 unités de café, 71 000, mais bon, on va pas la faire aujourd'hui parce que sinon on va pas s'en sortir, il faut qu'on termine nos missions. Playlock Enterprise. Alors, on va regarder un peu. Qu'est-ce que c'est comme... on va prendre forcément quelque chose qui est pas cher. On va regarder un peu ce qu'on peut acheter. Est-ce qu'on a les sous de vide? Oh, l'eau est pas chère ici. On peut prendre de l'eau. C'est limite ce qui vaut plus le coup. Les algues aussi. Oh, le café, café, café. Mais... les poissons. Café et viande animale aussi, c'est pas mal. Ça peut faire du bénéfice. Ouais, allez, on va faire ça. On va acheter du café. Cargo hold at maximum capacity. 40 tonnes de café. Allez, on s'en va. Pour notre dernière... c'est la dernière mission, je crois. Ouais. Follow the greens on your way out.
pas commencer à faire le fanfaron. Alors du coup, on va aller jusque là. Peut-être avec un peu de chance, ce qu'on a acheté, ça sera intéressant de leur vendre. Le café. Allez, c'est parti. Dernier voyage de cet épisode. Cet épisode numéro 14. Enfin, je crois que c'est le 14. Ouais, je sais plus. Je m'y perds dans mes épisodes. J'enregistre tellement de vidéos que des fois je m'y perds dans le numéro de mes épisodes. C'est tout à fait normal. Alors. Ce qui est cool, c'est quand même. Ouais, je suis devenu dealer. Rang recrue, fédération. On arrive. Allez, on arrive. La chance, j'ai arrivé juste devant l'entrée. Oui, bah, scan detected, je viens livrer du café, hein. C'est pas que du café que je vais être dans l'illégalité.
rentrer dans le hangar parce que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on va regarder si on peut vendre notre café et puis ok, même pas de bonus. Bon, on va vérifier les missions, on va voir s'il y a quelque chose à faire, mais normalement non. Ok, donc on va regarder pour le café. Oh, on fait un peu de profit, mais ouais, on est en dessous du prix du marché encore. Parce que là, on va faire quoi de profit? Ah, 6000 quand même. Ouais, allez. Ok, 1 200 000. Ouais, par rapport au début de l'épisode, on a quand même sacrément augmenté notre compte en banque. Et si on regarde un petit peu du coup ce qu'on peut équiper là. Il y a du choix ici. Ça par contre. Ça c'est bien. On perd en termes à la résistance, mais 800 000 quand même. Ici c'est une station haute voltage hein, donc du coup il y a, enfin, quand je dis haute voltage il y a beaucoup de choix quoi.
C'est ici là-dessus qu'on peut jouer. Hein. Quoi ça, FMS? C'est un truc qui répare le vaisseau, d'accord. Ah, il y a de quoi faire. Ah, bah je sais ce qu'on va faire, parce que là, je vois qu'il y a du truc de raffinerie. Ouais, je vais réfléchir si on va pas faire de quoi faire du minage. Bon, bon, on va s'arrêter là parce que ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Voilà, je rêvasse un peu devant le fitting. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois donc pour l'épisode numéro 15 de Elite Dangerous, le grand voyage sur la chaîne LV888. Allez, ciao, salut à la prochaine.